Bonjour à tous. Hey, on est le 4 septembre, journée de la fête du travail. Puis qu'est-ce que je fais? Ben, je travaille. Je ne pouvais pas attendre une semaine de plus avant de commencer le retour des lives dans la tête d'Arou. Hein, on est dans un mode de rentrée. J'avais tellement de choses à vous raconter. J'avais tellement hâte de recommencer les lives parce que j'ai réalisé que ça me nourrissait beaucoup, que ça me faisait vraiment plaisir de connecter avec vous. Que ça me faisait plaisir d'échanger, que ça créait des discussions. Fait que ceux qui se joignent à moi, ben faites-moi un petit commentaire, un petit coucou dans les commentaires. Dites-moi que vous êtes là, de où vous êtes, qui vous êtes, etc. J'ai le goût de vous lire, que vous puissiez échanger avec moi sur le sujet du jour qui va être vraiment fabuleux, qui a été un beau processus pour moi cet été de réflexion sur la réussite. Fait qu'on va en parler aujourd'hui. Puis, si vous êtes en rediffusion, écrivez-moi replay. Si vous avez des questions tout au long de mon intervention d'aujourd'hui, ben, n'hésitez pas à commenter et autres. Ça me fait toujours, toujours plaisir d'échanger avec vous. Puis, ben, c'est le retour, saison 3. Hein. Si jamais vous n'avez pas écouté la saison 1 ou 2, vous pouvez la réécouter sur YouTube ou sur StreamYard dans la tête d'Aro. Puis sur YouTube, c'est sur le site de Aro Artiste. Fait que, écoute, je vous souhaite la bienvenue. Je ne sais pas quel genre d'été vous avez eu. En tout cas, je pense qu'on a tous eu le même au niveau de la météo qui était changeante. Moi, j'ai passé un mois à mon chalet au lac Saint-Jean dans l'esprit de déconnecter ce que j'ai fait, mais je n'ai pas arrêté de travailler. Ce n'est pas des vacances mentales complètement à off parce que j'étais dans le lancement cet été de mes journées créatives avec Arou. Si vous n'avez pas entendu parler, tous les détails sont sur le site de arouartiste.com, mais c'est vraiment le meilleur de moi. Ce que vous voyez dans les lives, ce que vous voyez sur le web, sur mon site web. Allô Dominique! C'est le fun de savoir que d'une oreille, tu es avec moi, puis de l'autre, tu surveilles les enfants à la piscine, mais je suis contente de savoir que tu es avec moi, Dominique. Fait que tout ça pour dire que les journées créatives avec Caro, c'est un projet que je mûris depuis des années. Puis, dans le fond, c'est le meilleur de la créativité, puis c'est le meilleur de mon expérience de vie comme entrepreneur, comme femme, comme coach, comme mentor, que je transfère dans l'autre demi-journée d'activité avec des bonus, des cahiers de participants, des ateliers. Je donne ma conférence aussi qui s'appelle Oui, c'est possible. Fait que c'est vraiment quelque chose de super intéressant comme journée. La première journée du 22 septembre est complète. J'ai déjà ouvert deux nouvelles dates, vendredi 20 octobre, samedi 18 novembre. Tous les détails sont en ligne, c'est le genre de choses qui vous intéressent. Puis à travers tout ça, ben, je suis dans le lancement d'une nouvelle exposition à Montréal le 30 septembre prochain. Donc, dans quelques semaines, un premier solo pour Arou à Montréal, à la Galerie d'art Le Noir, qui est située dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Paul. Et c'est vraiment une exposition exceptionnel. Je le dis à chaque fois que je présente une nouvelle exposition parce que c'est comme un nouvel enfant qu'on veut présenter à notre entourage, aux gens qu'on connaît, mais la collection ADN, elle a un petit quelque chose, un je ne sais quoi dans les couleurs, dans l'historique, dans le récit que j'ai bâti au niveau de cette collection-là. Je suis toujours en création aussi d'œuvres de cette collection-là. Puis, pour ceux qui me suivent aussi sur le web, là, je saute du coq à l'âne, mais je reviens d'un séjour à Toronto qui était prévu depuis plusieurs semaines où j'ai eu l'honneur de passer du temps avec une femme qui va devenir ma mentor dans le monde artistique, qui s'appelle Patricia Gagic, qui est une artiste établie mondialement. Et Patricia, qui est une femme exceptionnelle, qui a un vécu extraordinaire à l'âge de 70 ans, a décidé de me prendre sous son aile. Elle m'a offert une résidence artistique. Un peu comme une académie des beaux-arts. Son mentor à elle est toujours en vie. C'est M. Dragan Dragic à Paris, qui est un ami de Picasso. Ils peignaient ensemble et depuis 25 ans, Dragan Dragic est le mentor de Patricia Gagic. Et Patricia Gagic devient ma mentor à moi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. On va peindre ensemble. On a une belle collaboration qui va être annoncée dans les prochaines semaines sur un projet d'exposition collective, toutes les deux.
sur un thème, sur le thème des droits humains. Fait que c'est vraiment quelque chose là, qui va prendre forme dans les prochains mois, les prochaines années, mais c'est vraiment le début d'une relation exceptionnelle que je vis avec elle. Puis, un grand pas dans la carrière d'Arrow qui s'est confirmé officieusement et officiellement hier matin. Je suis maintenant représentée par la 13th Street Gallery, qui est une galerie vraiment prestigieuse au Canada, qui est située dans le coin de Niagara, sur un vignoble qui s'appelle le 13th Street Winery, qui est propriétaire de John Mann, qui est un grand collectionneur d'art et un grand amateur d'œuvres du refus global avec Riopel, Bordua et autres. Puis, je suis une des seules artistes représentées par cette galerie-là maintenant qui n'a pas son cursus académique des beaux-arts. Fait que c'est vraiment un grand, grand pas pour ma carrière. J'ai des partenaires extraordinaires en frais de galerie partout depuis déjà 6 ans et demi. Mais c'était mon rêve de rentrer, je dirais, dans les lignes majeures, dans le monde des grands où les gens sont sous la loupe, où ils sont observés dans leurs décisions, puis que ça peut avoir un impact de changer la vie d'un artiste qui est représenté par ce genre de galerie-là. Puis c'est ma première expérience dans ce monde-là aussi, je dirais, aussi prestigieux dans le type de galerie. Fait que c'est toutes des super nouvelles. Je suis encore, tu sais, je me pince, je réalise tout le potentiel. Puis ça m'a amené à travers tout ça, mais cet été, j'ai réfléchi sur les clés de la réussite. Puis la première question que je me suis dit, c'est ben, la réussite n'égale pas le succès. Ça, c'est important pour moi de faire la nuance entre les deux. Je pense que le volet succès est basé plus sur le regard que les gens ont de ce qu'on fait et non quelque chose qui est tangible. Pour moi, c'est plus subjectif, le succès. Puis la réussite, c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel. Puis je me suis amenée cet été à travailler sur la recherche de qu'est-ce que la réussite. Hein? Tu sais, bon, je suis qui, je fais quoi, pourquoi je fais ce que je suis, puis pourquoi les gens suivraient ce que je fais, puis de se poser toutes ces questions-là, je le fais de façon assez régulière en général, mais là, je voulais aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet, sur la réussite. Puis, dans le fond, pour moi, la réussite, c'est de réussir à vivre la vie qu'on a choisie, puis de réaliser ses désirs, ses rêves. Fait que, comment on peut mettre en place dans le quotidien, dans les décisions qu'on prend, dans le mindset, dans notre façon de faire pour tant à vivre la réussite qu'on veut vivre, à vivre la vie qu'on veut vivre. Puis, instinctivement, dans ma démarche, comme à chaque fois que je prépare un live, je note, je me pose certaines questions, puis je note mes réflexions, mes idées sur le sujet. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner les 10 clés qui, selon moi, nous permet de vivre la réussite, nous permet de vivre la vie qu'on a choisie. Puis, je vais commencer rapidement avec le numéro 1. La première chose pour vivre la réussite, c'est d'y croire. Croire en son potentiel, croire en ses idées, croire en son travail, en son potentiel. D'être capable de se connecter à l'intuition. C'est quand on sait qu'on... Écoute, il se passe de quoi, là? Quand je vibre très, très fort quand je pense à cette idée-là, quand je pense à ce projet-là. Fait que de se connecter, d'être capable de se connecter à l'intuition puis d'y faire confiance. Puis, j'ai le goût de rajouter aussi toute l'énergie qu'on met. Tu sais, là, y croire, pour moi, c'est aussi une façon du mindset dans notre état d'esprit, d'y croire, de voir les choses positivement, puis de se lever avec une figure, une posture de « j'assume mes choix, je veux l'atteindre, je veux le réaliser, puis je suis capable de le faire ». Fait que tout le concept du mindset, je pense que c'est la première étape, la première clé pour votre réussite. La numéro 2, c'est s'engager. On n'a rien pour rien, hein, puis il faut travailler fort pour atteindre ses rêves. Puis s'engager, pour moi, il y a 3 volets. Il y a le volet de l'action, hein, la discipline, la rigueur de faire les choses, de faire les pas pour se diriger vers notre grand rêve, notre réussite. Il y a le temps, la façon qu'on gère notre temps. Est-ce qu'on gère des priorités? Est-ce qu'on gère des urgences? Est-ce qu'on met notre énergie à des places qui ne comptent pas nécessairement dans la réalisation de nos grands rêves? Est-ce qu'on procrastine? Fait que de s'engager à y mettre du temps,
à placer l'agenda, je pense que c'est aussi une des clés de la réussite. Puis, j'ai aussi le goût de vous partager qu'on n'a pas le choix de s'engager à investir financièrement dans nos rêves. C'est bien rare que les choses vont arriver tout seul puis qu'on va cogner à la porte. Puis, hey, by the way, j'ai entendu parler de toi puis j'ai le goût de travailler avec toi ou j'ai le goût de te rémunérer pour un service que tu peux m'offrir ou etc. En général, on n'a pas le choix de s'élever, hein, de se faire connaître, d'annoncer nos couleurs. Puis, dans n'importe quel projet, si on veut asseoir nos projets sur des fondations solides, bien, ça implique d'investir en du capital financier, que ce soit dans l'acquisition de compétences, que ce soit dans l'acquisition de matériel, que ce soit dans du graphisme, des photos, etc. Donc, tout le concept de l'image, de ce qu'on veut donner, de ce qu'on veut divulguer, bien, c'est le genre de choses qui est super important. Fait que le deuxième clé pour moi, c'est l'engagement, de faire le choix conscient d'être dans l'action. Le numéro 3, c'est d'en parler. Si on a des rêves, si on a des choses qu'on veut réaliser puis qu'on ne le dit pas, ben, qui sait qui peut faire la différence dans le projet? Je suis en train de le vivre, Patricia Gagic, une femme que j'ai abordée pour un dossier complètement différent, pour des références, qui est devenue une amie, puis aujourd'hui m'ouvre certaines portes dans son univers à elle, dont la présentation à la 13th Street Gallery. Puis, j'ai fait le reste du travail avec ma vierge que vous connaissez. Puis, finalement, la magie, la synchronicité, le timing, tout était là. Fait que d'en parler, de pas hésiter à collaborer avec d'autres, de pas hésiter à demander de l'aide à des gens, de dire, hey, j'ai un rêve, j'ai un projet, puis j'ai le goût réellement. Merci, Dominique, oser définitivement. Puis, c'est un des points qui va apparaître un peu plus loin au numéro 7 quand je vais vous parler de courage. Mais d'en parler aussi, ça implique de mobiliser des gens, de mentionner ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Puis les gens chez qui ça va résonner, bien, ça va devenir d'excellents ambassadeurs de notre projet aussi. Fait que de ne pas hésiter à en parler, à mobiliser. Puis le réseautage. J'ai déjà fait une chronique sur la force de son réseau. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, de le réécouter. Mais l'impact de réseauter. On ne connaît pas la vie, les connaissances des gens qu'on croise, mais sachez que lorsqu'on communique aisément nos grands rêves, nos projets, ce pourquoi on se lève le matin, ben on réussit à impacter des gens, puis à en faire des ambassadeurs qui, eux, vont repartager aussi la bonne nouvelle à leurs entourages. Puis souvent, dans l'entourage, il y a des gens qu'on n'aurait pas pensé qui peuvent faire une différence dans la réalisation de tes rêves, dans la réalisation de ta réussite. Fait que de ne pas hésiter à réseauter, à créer des opportunités d'échanger et de communiquer finalement vos grands rêves. Le quatrième point, la quatrième clé de la réussite, c'est d'avoir un plan. Si tu ne sais pas où tu vas, comment tu peux faire pour savoir quand est-ce que tu es arrivé? Fait que d'avoir un plan, d'avoir une stratégie, d'être capable de mettre sur papier ton grand projet, puis comment tu penses réussir à le placer. De mettre les premières fondations, les premières balises qui vont te permettre de savoir si tu vas dans la bonne direction. Il y a toujours la possibilité en cours de chemin de s'ajuster. Il y aura toujours des éléments qui vont faire qu'un projet va tourner à gauche, à droite, va évoluer dans le temps. Mais au départ, d'avoir une stratégie, d'avoir une idée claire, dans mes grands rêves de vie, j'ai nommé le fait qu'un jour, je souhaite être invitée, une artiste invitée au Art Basel en Suisse. Pour y arriver, ça implique d'être représentée par les plus grandes galeries à l'international. Puis pour rentrer dans les plus grandes galeries, ben, ça implique d'être dans des galeries, de se faire voir, d'aller vers ces gens-là, etc. Fait que de faire le plan pour le grand rêve, le grand projet, l'entreprise, le désir qui vous habite et autres, puis de dire qu'est-ce que je peux faire pour être aligné vers ce plan-là. Puis, on va travailler dans cet esprit-là, dans le plan, tout le côté de la productivité, donc le faire l'exécution du plan. Mais on va aussi réfléchir à tout le concept de l'efficience. Tu sais, comment faire moins, mais avoir plus de résultats? Comment on peut où mettre nos énergies pour que ça ait le plus d'impact? Fait que c'est le genre de choses dans la stratégie, dans le plan qu'on peut mettre en place. Le cinquième point, selon ma vision, on s'entend que ce que je vous mentionne, c'est réfléchi avec mon cœur, c'est basé sur mon bagage, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la réalité. Oui, moi, c'est mieux, Dominique, je suis d'accord avec toi. Donc, le cinquième point, c'est la clarté.
la clarté, d'avoir des objectifs qui sont précis, qui sont mesurables, hein, les objectifs SMART, et de toujours se réaligner. Hein. Pour moi, ce n'est pas un long chemin tranquille. Il y a des courbes, c'est un peu comme un jeu de serpent-échelle, la vie, la réussite, mais d'avoir la clarté, d'être capable de prendre le pouls du moment, puis d'être capable de dire « je suis sur le bon chemin, je suis en train de m'égarer, je me laisse contaminer, je me laisse distraire » ou au contraire, « je suis alignée, je sais que je suis sur le bon chemin ». Fait que cette clarté-là, elle est importante d'être questionnée, d'être réalignée en continu pour nous permettre de garder notre motivation. Une autre clé de la réussite, c'est la préparation. Tantôt, j'ai parlé du plan stratégie, hein, la stratégie. Donc, pour moi, c'est le plan, mais la préparation, ça va de la formation, la recherche, la quête d'informations, de prise de notes, la recherche ou les échanges de références, les connaissances. Fait que c'est important quand on investit dans un projet, quel qu'il soit, d'aller chercher tout le volet de la préparation pour être prêt à faire face à ce qui va se présenter à nous. Donc, des fois, il ne faut pas attendre de tout connaître. Hein, là, il y a une différence entre la procrastination ou d'attendre que tout soit parfait, puis le fait de se préparer autrement. Mais j'ai juste le goût de vous dire que quand on a une idée en tête, bien, d'aller chercher, OK, y a-tu des sondages là-dessus? Y a-tu des statistiques? Y a-tu de la compétition? Qui sont-ils? Ils font quoi? C'est quoi leur force distinctive? De vraiment réussir à bien comprendre le marché ou ce qu'on veut réaliser pour après ça se faire une tête sur notre plan. Un des points qui a été mentionné par mon ami Dominique qui est en ligne avec nous en ce moment, pour moi qui est aussi la clé, c'est le courage. Oser prendre des risques, oser faire le premier pas, oser se lancer dans le vide avec un filet de sécurité idéalement, mais oser. Puis partir avec le principe de toujours se relever, de la résilience de faire face, puis que pour moi, le courage vient avec le fait aussi de comprendre qu'il n'y a pas d'échec. Soit on gagne, mais si ça ne se passe pas comme on veut, on peut se réaligner. Notre courage, notre résilience et notre détermination fait qu'on y croit assez, qu'on va continuer à avancer et à faire les actions qu'on doit faire, puis de jamais abandonner. Le premier point que j'ai nommé tantôt, y croire. Si on y croit assez, on va être prêt à y mettre tous les efforts. Donc, moi, ce que j'invite les gens dans le processus de la réussite, en coaching, en mentorat, c'est définitivement de développer son courage par défaire des croyances, défaire des blocages, puis oser faire le petit pas de plus qui nous permet de sortir de notre zone de confort. Un des points aussi, le huitième, c'est l'ouverture. Pour réussir, hein, quand on parle de réussite, ça prend de l'ouverture. Ça prend de l'ouverture à apprendre pour développer des compétences. Ça prend de l'écoute, personnelle avec l'intuition, mais de l'écoute aussi de l'environnement autour de nous. Ça prend de l'écoute pour être capable de voir les angles morts. Puis, pour moi, l'ouverture implique aussi la capacité qu'on a à s'adapter. Je pense qu'il y a un nombre d'histoires incalculables de gens qui ont réussi parce qu'ils ont eu la faculté de s'adapter au changement. Puis, lorsqu'on est en résistance, bien souvent, on n'avance pas, souvent, on va abandonner ou ça ne nous mènera pas où on veut aller. Fait que l'ouverture d'accueillir les choses telles qu'elles se passent, d'être resté connecté dans l'instant présent, de ne pas être dans la réaction, d'essayer d'anticiper les choses, de mieux planifier. La planification nous permet aussi de bien vivre avec l'ouverture puis d'avoir des angles morts qu'on nous permet de bien identifier. Le neuvième point, selon moi, la neuvième clé de la réussite, c'est la créativité. Puis là, bien, c'est certain que l'univers d'Arrow, c'est un univers qui est créatif, que ce soit à travers la peinture, les conférences, les ateliers, les journées créatives, les team building en entreprise. Mais ce que j'ai le goût de vous amener, vous, dans la créativité, c'est le concept de l'exploration des sentiers qui n'ont pas été empruntés. De sortir du chemin qui a été pavé, hein, qui est tellement usé par les pas des gens, puis d'aller vers le chemin le moins emprunté. D'oser expérimenter des choses qui n'ont pas été faites. Puis c'est cette différence-là, cette unicité-là qui fait qu'on réussit à se démarquer.
Fait que pour moi, la créativité égale le fait de se démarquer égale aussi l'innovation. Puis ce qui fait qu'on réussit à se démarquer puis à avancer vers où on veut aller puis vivre la vie qu'on veut, c'est par la réussite qu'on a à mettre de l'avant nos éléments distinctifs. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Qu'est-ce qui fait que on est capable de se démarquer, de se différencier des gens? Puis Dominique, tu disais, son propre chemin est unique. Bien, c'est exactement ça. On a tous un chemin. Puis la journée, on en prend conscience. Moi, ça a été dans un livre à un moment donné. J'étais dans un processus d'écriture de mon livre actuel qui s'appelle « La somme de mes rencontres ». Puis j'ai lu un livre qui s'appelle « Comme par magie ». Puis ça disait que, tu sais, des fois, le fait qu'on est habité par le syndrome d'imposteur vient du fait qu'on dit, bien, qui je suis moi pour faire quelque chose ou pour dire ça. Puis dans ce livre-là, il y a une phrase qui dit, puis là, je la résume, là, je ne la cite pas mot pour mot, mais ça dit simplement que, tu sais, le dictionnaire existe déjà. L'utilisation des mots, tu n'es pas la seule qui va parler d'un sujet, mettons, du bonheur, de la réussite ou etc. Mais la façon que tu vas le faire, la façon que tu vas présenter ton sujet, c'est unique parce que c'est basé sur ton expérience de vie, ton vécu. Puis tu es la seule qui peut le faire de cette façon-là parce que c'est ton histoire. Puis quand on réussit à personnaliser ce qu'on a communiqué, bien c'est ça l'élément de différenciation. Fait que pour moi, la créativité, c'est de ne pas essayer d'être influencé par les autres, mais de trouver sa propre essence, de trouver sa propre voix, puis de le faire avec son vocabulaire, avec ses mots à soi. Le 10e point, selon moi, qui est la clé de la réussite, c'est le respect. Puis je vais commencer par le respect de soi, le respect de ses limites. Je ne parle pas de trouver des excuses, mais je parle d'être capable de dire écoute, je pensais que ça allait être ça, c'est pas ça pantoute, je suis capable de réorganiser, réaligner. L'équilibre aussi entre le travail, la famille et mon bien-être. Fait que le respect de tout ça est une des clés pour réussir à avancer, de ne pas se désorganiser dans une des sphères de notre vie pour tout miser sur une autre, parce qu'à un moment donné, malheureusement, ça nous rattrape. Puis j'en suis le témoin. Mon histoire sera à lire très, très bientôt dans deux livres qui vont être publiés là, prochainement. Mais tout ça pour dire que pour moi, le respect de soi, de ses limites, est un atout pour avancer vers où on veut aller puis de vivre la vie qu'on a choisie. Puis le respect de l'autre, hein, ça va de soi, d'être capable d'identifier les besoins des autres. Puis c'est souvent là que les idées géniales surviennent. Puis de considérer l'autre, d'être capable de le reconnaître, de lui donner, de remettre à César ce qui appartient à César, d'être capable de faire shiner les autres. Je pense que c'est quelque chose qui est exceptionnel. Puis la réussite de l'autre contribue à notre réussite personnelle aussi. Fait que brièvement, ben, si je résume les 10 points que je vous ai mentionnés, j'ai parlé de y croire, hein, le mindset, le believe, je crois en mon potentiel. Les 10 clés de la réussite, c'est aussi de s'engager dans son succès, dans la réalisation de ses grands rêves. C'est aussi d'en parler pour mobiliser des gens qui vont devenir des ambassadeurs de notre projet. C'est d'avoir un plan. C'est aussi de préparer, hein, le plan et les étapes à venir. C'est d'avoir de la clarté, de savoir vraiment où on veut aller, puis de ne pas attendre que tout soit parfait pour faire le premier pas, mais au moins de ressentir et d'avoir une vision claire. Ça prend du courage, ça prend de l'ouverture, ça prend de la créativité qui va créer de l'innovation, donc un élément de différenciation. Ça va prendre du respect de soi et le respect de l'autre. Fait que l'ensemble de tout ça, c'est les clés que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui sur ma définition de la réussite. Puis, pour moi, la réussite passe par le désir ou le concept de se réaliser, de vivre des victoires quotidiennes, d'apprendre à les célébrer, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille très, très fort en ce moment, de célébrer mes victoires. Hein, quand il y en a une, de ne pas penser tout de suite à la prochaine, mais de prendre le temps de festoyer puis de réaliser que ce qu'on a travaillé bien, a porté ses fruits, puis de le célébrer. Pour moi aussi, la réussite, c'est lorsque tout a du sens. Hein, qu'on se lève le matin, puis on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, puis on a vraiment l'impression, tu sais, quand on dit l'expression « être sur son X »,
c'est aussi pour moi une définition de la réussite. Puis, lorsqu'on va bien, hein, lorsqu'on est aligné, qu'on est sur notre X, qu'on a l'impression que ce qu'on fait, ça a du sens, bien, systématiquement, ça a un effet contagieux sur notre énergie qui est positive, qui est débordante, puis on a le goût d'aider, on a le goût d'être en relation avec les gens pour annoncer cette bonne nouvelle. Fait que aujourd'hui, ben, c'est ce que j'avais le goût de vous partager. Les lives auparavant étaient les mardis soirs à 19h. Maintenant, vont être les lundis à midi. Encore là, pour le respect de moi, dans l'optique que mes soirées sont en famille et que je prends ce temps-là pour moi, pour me reposer, pour vivre des moments avec mon conjoint et ma fille. Donc, c'est la raison pour laquelle les lives dans la tête d'Arrow vont être les lundis à midi. La beauté, c'est qu'ils sont diffusés en direct sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et ma page LinkedIn, et que vous pouvez les réécouter en rediffusion sur ces trois plateformes-là, en plus de version podcast sur Spotify là, dans les heures qui suivent mon intervention. La semaine prochaine, j'ai réfléchi beaucoup au sujet, mais je suis en train de vivre quelque chose vraiment de magique depuis quelques mois avec une de mes très bonnes amies où on a instigé une activité de visualisation ensemble. Puis j'ai le goût de vous la partager la semaine prochaine parce que, écoute, depuis le mois de mai qu'on le fait, mai, juin, juillet, août, ce matin, on a fait celle pour le mois de septembre, puis il se passe vraiment des choses. Des fois, j'ai l'impression qu'on est des sorcières qui lancent dans l'univers des idées, des fois un peu folles, puis que finalement, on se reparle le mois d'après, puis qu'on réalise tout ce qui s'est passé dans le dernier mois basé sur ce qu'on a lancé dans l'univers. Fait que la semaine prochaine, je vais vous partager cet exercice-là qu'on fait, comment on le fait, c'est quoi les réflexions, quel sujet on touche et tout ça. Mais je trouve ça intéressant de stimuler, hein, ça stimule la créativité, l'ouverture et à peu près tous les plans de la réussite. Fait que on va continuer le tout. Merci beaucoup, Lorraine. C'est super gentil. Ton message me touche. Lorraine dit tu es inspirante. Ben, c'est une de mes missions de vie, hein, de faire une différence significative et positive dans la vie de ceux qui croisent ma route. Fait que je suis alignée vers cette mission-là dans tout ce que je fais. Fait que si tu le ressens, Lorraine, ça me fait vraiment plaisir. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, d'avoir échangé Dominique, Marcel, Lorraine. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi midi, en direct, puis en rediffusion en tout temps sur les plateformes que je vous ai mentionnées. Puis, il y aura plein d'autres sujets là, jusqu'aux fêtes là, qui vont vous être partagés, échangés et on va surfer là-dessus ensemble. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde de tout acabit, que ce soit en entrepreneuriat, dans le marché de l'art, en marketing, du côté humain ou autre, n'hésitez pas à me lancer vos idées. J'aime toujours faire de la recherche sur les sujets, de savoir c'est quoi les besoins que vous avez, puis de communiquer avec tout. Puis si jamais bien, vous voulez rentrer encore plus en profondeur dans l'environnement, dans l'univers d'Arrow, je vous invite à aller sur le site arrowartist.com. Vous allez avoir mes œuvres, mes team building, mes journées créatives, mes articles de blog, mon CV artistique. Fait que là, vous rentrez vraiment là, dans mon univers avec aussi toutes les œuvres que je crée qui sont disponibles sur le marché de l'art et où elles sont actuellement là, chez mes galeristes. Fait que je vous embrasse, je souhaite une belle semaine. Je vous remercie d'avoir été présent, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!